annonce les bonnes nouvelles. Vous aimez beaucoup le thé sur la chaîne. Si. Merci à vous tous. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité félicitations. Et en fait, je n'arrive même pas encore à réaliser. En fait, toute ma vie, je me suis dit que je serais tellement prête pour ce moment. Que, bon, oui, je suis quand même prête parce que je savais déjà plus ou moins comment je voulais que ça se passe. Et je me rends compte que dans la préparation, je ne suis pas la seule à me marier. Ma mère se marie plus que moi. Alors qu'elle est mariée avec son gars depuis 30 ans. Oui, mes parents sont mariés depuis mon âge. Donc, je me rends compte que c'est dans mon mariage, ma mère veut se remarier. Dans mon mariage, elle veut faire ses folies. Et je ne me sens pas trop dépassée parce que j'ai l'impression que, à quelques exceptions, après, elle et moi, on a les mêmes idées. Il faut un peu qu'elle fasse le bras de fer avec elle pour ne pas accepter certaines choses. Parce que si ça ne tenait qu'à elle, mon Dieu. Kate Middleton, son mariage, je ne vois rien devant celui qui arrive. Donc, bref, merci beaucoup à tous. Ça me va droit au cœur. Ça me va vraiment droit au cœur. J'ai déjà des petites péripéties qui m'arrivent pendant les préparations. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, savent depuis hier quel épisode loufoque j'ai vécu. Donc, bref, voilà. Donc, en fait, je venais pour la partie 2 de la vidéo. Il y a aussi eu beaucoup de commentaires de gens qui disaient que oui, je généralise, que donc, une façon de dire que tout est mauvais chez le noir et tout est bien chez le blanc. Que nenni, c'est pour ça que la vidéo était part 1. Donc, dans le part 2, ce que je voulais, je vais revenir sur certains points. Les points négatifs que je trouve dans notre culture commune à nous en tant que noirs, parce que je n'ai vraiment pas fait de distinction de Camerounais, de Sénégalais, de X et Y, parce que en général, il y a des gens qui m'ont répondu de Haïti qui me disent que c'est la même chose qu'ils vivent. Donc, ce qui nous caractérise plus, nous, les gens noirs et nos cultures afrocentristes là, c'est que les gens doivent supplier le mariage sous prétexte que tu sors avec quelqu'un. Tu dois supporter tout et n'importe quoi. Cette culture, cette façon d'éduquer les filles dans le sens que non, il faut supporter. On te traite comme une serpillère parce qu'au final, le Saint Graal, c'est que quelqu'un doit t'épouser, une famille doit t'accepter et tu dois supporter tout et n'importe quoi. Moi, je suis contre ça. Je suis contre ça dans le sens que quand ça ne passe pas pour moi, ce n'est pas un euphémisme de dire que je te réceptionne mal si tu me prends mal. Je dis, même dans ma propre famille, en ce moment, dans ma famille paternelle, il y a deux courants qui s'affrontent. Il y a un courant qui considère que je suis une opposante, je suis une rebelle parce que j'ai dû remettre beaucoup de points sur les i avec beaucoup des frères et des sœurs de mon père. Et je ne suis pas allée avec le dos de la cuillère. Donc, j'ai des cousins qui m'ont bloqué sur WhatsApp, d'autres m'ont bloqué sur les réseaux. J'ai des oncles qui m'ont blacklisté et je ne vis pas moins mieux. D'ailleurs, je vis même très bien parce qu'ils ne m'ont jamais rien apporté. Que ce soit en tant que cousin, que ce soit en tant que leurs parents, ils ne m'ont jamais rien apporté. Et d'autres qui ont estimé, d'autres qui attendaient depuis que quelqu'un vienne parler, vienne toucher, vienne dire. Et c'est un peu dommage que ce soit la génération des enfants qui doivent venir dire que, gars, ça ne va pas, vous abuser. Parce que justement, on est dans une optique en Afrique, oh, il ne faut pas parler, il ne faut pas manquer de respect, il ne faut pas. Je dis que le respect est mutuel. Si en tant qu'oncle, en tant que grand-père, en tant que grand-mère, en tant que mère, tu ne peux pas me respecter, don't wait for my respect. Respect is mutual. Respect is mutual. Je répète, le respect est mutuel. You respect me, I respect you. You don't respect, I disrespect. Point. Serious. Donc, c'est un point qui est vraiment, vraiment, vraiment général à nous. C'est aussi un point que, parce que tu es avec quelqu'un, tout le monde doit venir dire son mot, tout le monde doit venir mettre son grain de sel. Je me rappelle, j'étais même en quelle année? J'étais en peut-être troisième année, j'étais en année de licence. Toute ma famille paternelle, sinon la majorité de ma famille paternelle, on a allé faire scandale dans une famille parce que le fils de mon oncle, mon grand cousin, avait décidé d'épouser une femme que, un jour comme ça, quelqu'un s'est levé dans la famille, il a décidé que gars, la femme là n'est pas bien pour l'enfant. Cette personne a réussi à nous faire tous nous lever de nos occupations. On allait faire un scandale dans une famille. Et vous savez quoi? Mon cousin allait se marier, nous a joué comme le ballon d'or. Jour d'une assise familiale, il nous a dit qu'il part jouer au foot avec ses autres frères. Mon cousin a pris la route comme ça. Il est allé épouser la fille dans le village de la fille. On a seulement su 2 semaines après que mon cousin s'était marié. Donc les histoires que moi, je vais encore mettre ma bouche pour dire à telle personne que n'épouse pas, épouse, je ne fais plus ça. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est vous deux qui vivez votre mariage. Vous allez vous réveiller le matin. Quand vos têtes ne vont plus vous plaire, vous êtes deux. Quand tu vas vouloir la taper, vous êtes deux. Quand ça ne va pas aller, vous êtes deux. Moi, quoi dedans?
Donc, moi, je ne viens plus mettre ma bouche. Je ne dis. Et ça, en Afrique, il faut qu'on arrête de faire ça. Parce que souvent, certaines personnes, c'est souvent l'ego de quelqu'un. Une seule personne qui décide que moi, je n'aime pas la fille-là. Peut-être parce que la fille ne fait pas les choses que tu veux qu'elle fasse. Ou peut-être parce que le gars n'a pas la bonne tribu selon toi, n'a pas le bon statut social, n'a pas le bon argent. Tu vas te lever, tu vas décider que, gars, tu vas venir recruter les autres pour t'aider à détester quelqu'un. Moi, je ne marche pas dans le trafic d'influence. Maintenant, tu veux te marier, marie-toi. Parce que ce n'est pas moi qui serai avec vous. Tu ne veux pas te marier avec telle personne, ne te marie pas. Ce n'est pas moi qui serai avec vous. Et là, il n'y a que la personne qui vit son film, qui connaît les réalités de sa personne, de son couple, et a même de dire que je peux supporter, je ne peux pas supporter. Donc, c'est une généralité chez nous en Afrique, chez nous les Noirs. C'est nous qui faisons ça. Parce que c'est comme ça, la sociologie culturelle veut qu'on ne fait que reproduire et enseigner aux gens à faire ça. Ce n'est pas bon. Et pourquoi je disais qu'en général, chez les Blancs, c'est plus simple? C'est parce que aussi, généralement, sans faire de spécification de Québécois, de Français, de ceci, eux, ils ont la politique de laisser vivre. Si quelqu'un a choisi, c'est son choix. Si je décide que moi, Mireille, je n'aime pas la copine de mon fils, c'est seulement moi, Mireille, que ça engage. Je ne vais pas commencer à me fâcher contre les gens parce qu'ils ne détestent pas Mireille avec moi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ça, c'est quelque chose que... Par exemple, dans cette vidéo aussi, je voulais venir dire que les choses qui sont bien chez nous, les Noirs, les choses qui sont moins bien chez les Blancs, les choses qui sont bien... En fait, il faut prendre le bien où il est, peu importe la culture ou quoi. Ce que moi, j'aime beaucoup dans nos cultures noires, chez nous, les Noirs, c'est qu'on a la chaleur humaine. C'est quelque chose qui est bien parce que les gens s'intéressent. Mais ça a son revers. Dans le s'intéresser là, il y a aussi beaucoup de curiosité. Il y a les gens qui ne savent plus faire la limite entre la vie privée et ce que tu as bien le droit de savoir. Ce n'est pas parce que tu t'intéresses aux gens que tu dois savoir la couleur du caleçon que son mari porte. Tu n'es pas obligé de savoir la mamie tintine de quelqu'un. Il y a des gens qui se fâchent avec vous parce qu'ils ne sont pas au courant de tout ce qui se passe dans ta cuisine interne. Si ton mari t'a battu hier, si tu t'es couché en bonne santé, si tu t'es couché de bonne humeur, si. Il y a des Blancs curieux, je l'avoue. Mais quand même, ils le font d'une façon différente. Les gens, moi, ce que j'ai trouvé vraiment très intrusif dans la curiosité, ce sont quand ils sont déjà des personnes âgées. Mais il y a des façons de faire. Il y a des questions qu'on ne pose pas aux gens. Il y a des choses qu'on ne demande pas. Comme je vous l'ai dit, faites jouer votre bon sens. Ce que je n'aime pas aussi trop chez les Blancs, c'est le trop plein d'individualisme dans le sens que c'est vraiment genre, non, moi j'ai vu ma petite vie, je ne veux pas savoir ce qui se passe. Si on te tape la bague, ça te regarde. Si on fait ci, ça te regarde. Des fois, c'est mauvais parce qu'il y a des gens qui se font assassiner dans les appartements parce qu'ils se disent, ah, ça ne me concerne pas, c'est la vie privée du voisin. Ça, j'aime moins bien. Par contre, ce que j'aime bien dans cette culture, c'est que, gars, c'est papa, maman, les enfants, on vit chez nous. Il n'y a pas les histoires que je vais aller prendre le cousin, tu vas venir vivre. Je vais aller prendre mon frère, il va venir vivre dans la maison. Ça évite beaucoup de problèmes. Ça évite beaucoup de choses que nous, les Noirs, on vit. Dans le sens que tu vas aller prendre une petite nièce, tu vas la mettre à la maison, elle va venir frustrer tes enfants. Après, c'est ça qu'elle va faire les comparaisons. Et quand ils achètent les choses à leurs enfants, ils font ci. Moi, ils ne font pas ça. Leurs enfants sont au collège. Moi, ici au lycée. Nanana. C'est les frustrations. Après, généralement, ce sont souvent que les familles t'envoient quand tu vas aller habiter chez ta cousine là-bas. Hein? Il faut traumatiser la cousine de son mari qui est là. Quand tu vas là-bas, tu as un esprit. Ça, ce sont les choses. Gars, arrêtons ça. Moi, j'ai eu plein de cousins qui ont habité chez nous. J'ai le petit frère de mon père qui a habité chez nous. Et je n'ai pas peur de dire que mon oncle là, jusqu'à aujourd'hui, il sait que je ne l'aime pas. D'abord, ce n'est même pas un secret de famille. Quand j'ai fini de laver mes oncles là, ils savent. J'ai donné à chacun sa vérité et son lait. Donc, cet oncle était dans la maison, c'est comme si. En fait, ce n'est même pas comme si. Moi, je l'ai toujours ressenti comme ça. En fait, l'amour est la chose la plus partagée du monde. Tu sais quand on t'aime et tu sais quand quelqu'un ne t'aime pas. Même dans les punitions, tu sais. Cet oncle-là, il sait que d'ailleurs, il n'aime pas son frère qui est mon père. Parce que les punitions que tu ne peux pas faire aux enfants, le sang de ton sang, ça, c'est que tu n'aimes pas. Mon oncle-là m'a battu avec une machette quand il était petit. Pas qu'il était même petit. J'étais en classe de seconde ou c'était en première. Quelque chose comme ça. Tu prends la machette pour corriger quelqu'un. Si tu me rates la jugulaire avec sur moi, tu vas dire que quoi que. Tu vas dire que tu cherches quoi sur la machette sur l'enfant de ton frère. Donc vraiment, l'amour et la haine, ce sont les choses les mieux partagées du monde. Tu sais quand on te déteste, tu sais quand on t'aime. Donc ce sont les choses comme ça, tu vas venir prendre ton frère, tu vas le mettre à la maison, tu ne sais pas s'il aime ta femme, et donc du coup il ne va pas aimer les enfants, tu as les choses comme ça. Tu as ceux qui sont tellement mauvais, ils viennent violer tes enfants chez toi, dans ta maison, tu lui donnes le jet, tu lui donnes le couvert, il est chez toi, il te fait les choses comme ça. Il y a les autres qui vont venir voler les choses de tes enfants. Quelqu'un sait pertinemment que ton enfant a mal aux yeux. Elle prend les lunettes, elle va à l'école. Toi, tu n'as pas mal aux yeux. Quelqu'un va venir... Autant de choses. Donc, il faut prendre le bien partout où il est. Et il faut laisser le mauvais aussi partout où il est. Donc, ce n'est pas une histoire que j'ai dit que le blanc est mieux.
le noir n'est pas bien. Mais reconnaissons. Des fois, il faut savoir que quand on est malade, il faut reconnaître sa maladie. Reconnaissons qu'il y a beaucoup de choses qu'on devrait améliorer dans notre culture, dans notre façon de faire, nous les Noirs, qui ne sont pas bien. Ce n'est pas mauvais de dire que, gars, je ne veux personne chez moi. C'est que, oh, tu vas dire ça, c'est que tu veux montrer que tu es mauvais, tu ne veux pas aider. On peut aider à distance. Hein. Est-ce que vous savez qu'on peut aider à distance? Tu peux payer l'école de l'enfant de ta soeur, il est chez ta soeur, tu envoies l'argent. Tu peux t'occuper d'une nièce au village, tu envoies l'argent. Tu n'es pas obligé, on n'est pas obligé de toujours prendre les gens chez soi. Parce que c'est ces choses-là qui font aujourd'hui qu'on vit beaucoup de choses bizarres. En fait, on peut aider tellement à distance. Et cette politique même de l'aide, de l'aide, de l'aide, de l'aide, toujours aider, 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 aider. Les gens ne veulent pas s'aider eux-mêmes. Comment est-ce que quelqu'un peut savoir que, gars, je suis pauvre? La femme avec qui je suis pauvre. On ne fait que bombarder les enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, on se dit que, bon, Dieu voulant, mon tel cousin va prendre tel enfant, ma telle soeur va prendre tel enfant. Pourquoi on fait des enfants dans les poches des autres, dont les autres n'ont pas les enfants dont il faut qu'ils s'occupent? C'est comme quelqu'un, tu vas rester là, tu ne peux pas envoyer ton enfant à l'étranger parce que tu as 3 enfants de ta soeur que tu élèves. Est-ce que c'est normal? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu dois aller faire les enfants? En fait, je ne comprends pas. Quand on sait qu'on n'a pas, on ne fait pas. On ne se met pas en couple. Et les gens sont dans une politique, oh non, il faut qu'ils fassent l'enfant, il faut qu'ils fassent l'enfant. En fait, qui vous poursuit? Qui vous force à faire les enfants quand vous n'avez pas les moyens? Qui? Il y a les blancs qui ont 45 ans, qui ont les 50 ans, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas. Parce qu'ils ont estimé qu'en vie, je ne veux pas ça. Je n'ai pas les moyens, je ne peux pas, je ne fais pas. Vous trouvez qu'ils sont anormaux? Non, c'est nous-mêmes qui sommes en fait anormaux. Parce que je ne comprends pas comment. Tu sais que tu n'as pas les moyens. La femme qui est en face de toi n'a pas les moyens. Tu n'as personne, tu n'as rien. Tu fais les enfants et tu ne fais même pas un. Ils font souvent 5, 6, 8. Après, c'est ça que, oh, voilà les rentrées qui arrivent, ils viennent te laisser ton homonyme. Et c'est souvent comme ça, ils te donnent les noms que c'est ton homonyme. Hein, il faut que tu payes l'école, il faut que tu fasses ci. C'est autant de choses, il faut qu'on arrête ça. Ça, c'est le partout. Je donnerais peut-être le partout. Or, ce que j'aime aussi beaucoup, qui, moi, je le vois, c'est vraiment l'esprit de la belle famille. Moi, avec mon fiancé, franchement, je ne savais pas qu'une famille pouvait t'aimer juste parce qu'ils voient comment leur fils t'aime et que tu aimes leur fils. Moi, quand j'arrive chez mon beau-père avec ma belle-mère, ils ne veulent même pas que des fois je débarrasse la table pour dire que oh, je vais t'aider à faire la vaisselle. Donc on doit se bagarrer pour que je dise non, je vais débarrasser la table, laisse-moi faire la vaisselle. Tu vas venir faire ça dans la maison de la mère de qui que tu vas t'asseoir et préparer la nourriture, tu dis que tu es assise. Hey! Ton histoire n'est pas d'y arriver au village que tu es une mauvaise femme. Moi, des fois, on va manger chez mes beaux-parents, genre non, assieds-toi, repose-toi. Tu es fragile, tu es ceci. Je n'ose pas imaginer quand c'est que le moment d'avoir les petits-enfants va arriver. Donc, ce sera qu'ils vont me gâter. Donc, franchement, il faut arrêter de voir la belle-fille ou le beau-fils comme... moi, je ne comprends pas. Surtout les belles-mères qui voient les belles-filles comme si ce sont tes rivales. Tu es la mère de l'enfant, ça ne changera jamais. Mais pourquoi est-ce que vous voulez traumatiser les enfants des autres, faire des comportements inhumains? Des fois, ces belles-mères-là ont vécu les mêmes choses avec leurs belles-mères. Elles reproduisent. Je ne sais pas si c'est normal, je ne sais pas. Comme tu peux traiter la fille comme ton enfant. En fait, si elle épouse ton fils, c'est ta fille maintenant. Moi, je le vis. Honnêtement, je le vis aujourd'hui. Je vois ce que c'est qu'un père qui dit que, gars, tu es sa fille. Mon beau-père n'a pas eu de fille, il a eu que 2 garçons. Mon fiancé et le petit frère de mon fiancé. Et techniquement, je suis devenue sa fille. Donc, si ces gens-là m'adorent tellement que je me dis, je compare entre tout ce que j'ai tout vécu, tout ce que je vois, j'ai vu comment... Bref, changeons vivant.